C'est une application qui est toute simple. Donc, toutes les semaines, je vais dans ma boîte mail, je récupère donc le lien pour l'application. Ensuite, je me connecte, je rentre mon identifiant, c'est-à-dire mon adresse mail. Ensuite, donc, j'ai un mot de passe qui m'a été attribué au début de mon traitement. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Donc là, je renseigne dans un premier temps mon poids. Ensuite, l'appétit. Donc l'appétit, pas de problème, problème léger. Donc là, pour moi, pas de problème. Ensuite, les sensations de faiblesse. Donc là aussi, pas de problème. Problème léger, problème moyen. Donc pour moi, pas de problème. Les douleurs, pas de problème également. La toux. Donc là, pas de problème. Ensuite, l'essoufflement. Donc toujours la même chose, pas de problème, problème léger, problème moyen. Ensuite, la déprime. Ensuite, la fièvre. Donc là, moi, je n'ai pas de fièvre supérieure à 38, donc je ne le remplis pas. Je reste sur non. Gonflement du visage, je n'ai rien non plus, donc je reste sur non. Changement de la voix, même chose, non. Apparition d'une boule sous la peau, non plus. Apparition, augmentation du sang dans les crachats, je n'en ai pas, donc je ne renseigne rien non plus. Et dans le commentaire libre, bah, actuellement, je n'ai pas de problème, donc je ne remplis rien. Et au cas où j'aurais quelque chose, il suffit juste de remplir. Et le docteur Denis me rappelle dans la journée. Et ensuite, on envoie tout à la clinique. Pour moi, dans un premier temps, c'est une application qui est simple à pratiquer sur un smartphone. La deuxième chose, c'est qu'elle est rassurante. Ça permet à ce que le docteur Denis, moi j'ai l'impression que le docteur Denis me suit de près quotidiennement, hein, puisque lorsque j'ai eu un petit souci il y a quelques semaines suite à une allergie, ben, il m'a téléphoné dans la journée même, donc c'est le côté rassurant. Hein. Et puis la dernière chose, ben, c'est que ça évite aussi donc, les scanners à répétition qui sont éprouvants psychologiquement et physiquement. Et voilà.